Samy, le plombier. Bonjour, je m'appelle Samy et je suis plombier. Je n'ai jamais voulu faire de grandes études. Après avoir redoublé 2 ans au baccalauréat, j'ai suivi une formation qui m'a permis de devenir artisan. Je suis auto-entrepreneur depuis 8 ans. J'ai créé ma société de plomberie. Je vis en banlieue parisienne avec ma femme Fatih, qui est enceinte de notre premier bébé. C'est l'amour de ma vie. On a grandi dans la même cité et elle a toujours été là pour moi, même dans les moments les plus difficiles. Grâce à mon dur labeur, j'ai pu acheter cette belle maison avec un petit jardin. Certes, je paie un crédit chaque mois, mais rien ne vaut l'idée d'avoir son propre chez-soi. J'ai également une petite camionnette qui m'aide à me déplacer chez les clients. Des fois, je travaille sur des grands chantiers, comme les HLM par exemple, et ça me garantit un salaire fixe pendant un bon moment. Et d'autres fois, je me déplace chez les particuliers qui veulent réaliser des travaux de plomberie chez eux. Je fais toujours en sorte de leur fournir un devis détaillé avant de ne commencer les travaux. L'honnêteté et le travail bien fait sont un gage de succès dans notre métier. Carla, la boulangère. Bonjour, je suis Carla, j'ai 23 ans et je suis artisan boulanger. Depuis toute petite déjà, je savais exactement ce que je voulais devenir une fois plus grande. Boulangère. D'un côté, j'avais ma grand-mère maternelle qui était une excellente boulangère. Sa maison sentait toujours l'odeur du pain fraîchement cuit. Quand j'allais chez elle, je me souviens qu'elle ne ratait jamais l'occasion de m'apprendre de nouvelles techniques, comme le levain naturel, comment savoir qu'une pâte a suffisamment levé ou qu'elle est bien pétrie. J'adorais la regarder faire, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs d'enfance. D'un autre côté, j'ai grandi en regardant les émissions culinaires qui ont connu un boom lors des dernières années, comme Le meilleur pâtissier ou La meilleure boulangerie de France. Ma mère, en voyant que je m'intéressais à ce métier, a commencé à m'offrir des livres de cuisine, à me montrer des blogs culinaires aussi. C'est donc tout naturellement que j'ai suivi un CAP boulangerie. En ce moment, je suis en train de préparer le concours du meilleur ouvrier de France, qui récompense les meilleurs artisans dans différents domaines. Mon chef et mentor Jean me dit que j'ai l'étoffe d'une gagnante et que si je me concentre assez, j'ai de grandes chances de remporter le titre. Clémentine, la fleuriste. Bonjour, je m'appelle Clémentine et je suis fleuriste. J'ai 40 ans. Je n'ai pas toujours été fleuriste. J'ai eu une carrière brillante dans la banque. J'ai été l'une des rares femmes à avoir une ascension fulgurante et à occuper un poste important très jeune. Mais c'était au prix de beaucoup de sacrifices et de stress également. Donc, il y a quelques années de cela, j'ai fait un burn-out. Je n'arrivais plus à aller travailler. Je suis passée par une longue période assez sombre, d'insomnie, panique à l'idée de quitter la maison. J'ai également souffert d'une éruption cutanée et d'autres maux invisibles dus au stress. J'ai finalement compris que c'était un signal d'alarme qu'émettait mon corps pour me demander de ralentir cette cadence folle. Après cet épisode douloureux, j'ai décidé d'aller me ressourcer au village où vivent mes parents qui m'ont accueilli à bras ouverts, même s'ils ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait.
J'ai recommencé à reprendre goût à la vie petit à petit et au plaisir simple qu'elle nous procure. Après quelques jours passés à la campagne, j'ai finalement pu dormir, chose qui ne m'était pas arrivée depuis des mois. J'ai redécouvert la vie sous un nouvel angle. J'ai pratiqué des activités qui m'apaisaient, comme la méditation ou la randonnée. Je me suis découvert une passion pour les plantes vertes et les fleurs tout particulièrement. J'ai donc décidé de laisser tomber ma carrière de banquière brillante, de vendre mon pavillon à Paris et de m'installer à la province avec mes parents. J'ai eu une période de reconversion professionnelle où j'ai suivi une formation pour devenir fleuriste. J'ai eu beaucoup de chance parce que la fleuriste du village allait fermer boutique pour aller s'installer à Montréal. J'ai repris son magasin et les clients sont plus satisfaits que jamais. Fred, le globe-trotteur. Bonjour, je m'appelle Fred et je suis globe-trotteur. Ça veut dire que je parcours le monde entier. Si on m'avait dit qu'à 30 ans, je serais en train de voyager et réaliser mon rêve d'enfant, je ne l'aurais sûrement pas cru. Au début, ce n'était pas gagné. J'étais un enfant timide et assez introverti. Je travaillais bien à l'école et j'ai décroché un master en commerce international. J'ai fait quelques stages et ensuite j'ai travaillé dans une multinationale. J'étais un employé lambda, sans plus. Je faisais mon travail sans pour autant chercher à être promu ou à occuper un poste plus important. Ce qui me passionnait, c'était les voyages et les découvertes. J'ai donc économisé pendant 3 ans pour faire le voyage de mes rêves au Japon. À l'époque, j'avais pris bien soin de tout préparer. J'avais demandé mon congé 6 mois à l'avance, j'avais réservé mon billet Toulouse-Tokyo qui m'avait coûté les yeux de la tête. J'avais également réservé un hôtel en plein centre-ville. Je m'étais tellement documentée sur ce pays et ce qu'on pouvait y faire en tant que touriste que j'avais décidé de filmer mes péripéties et de poster ces vidéos sur les réseaux sociaux. Bien sûr, j'avais longuement hésité à le faire et j'avais choisi un format où j'apparaissais très peu. Le contenu était axé sur le voyage et les découvertes culinaires. Non seulement j'ai passé les meilleures vacances de ma vie, mais je fus surpris du nombre de vues de mes vidéos et de l'intérêt qu'elles avaient suscité chez les spectateurs quelques mois seulement après les avoir postées. Petit à petit, j'ai commencé à recevoir un virement de la part de YouTube. Et un jour, j'ai décidé que je voulais vivre de ma passion. J'ai déposé ma démission après une nuit blanche. J'ai réservé le billet le moins cher pour le lendemain. Je me souviens que c'était pour Malaga. J'ai préparé ma valise, pris ma caméra, rassemblé mon courage, informé mes parents de ma décision qui, j'avoue, était déçue à l'époque que je quitte un emploi stable et un avenir assuré. Je comprenais leurs craintes et moi-même j'avais une petite appréhension au fond de moi. Mais j'avais pris ma décision et était prêt à en assumer les conséquences. Maintenant, je suis l'un des vlogueurs les plus connus, j'ai réussi à vaincre ma timidité et je vis de ma passion. Harry, l'homme d'affaires. Je m'appelle Harry, j'ai 28 ans. Et je suis un homme d'affaires. Je suis d'origine française, mais je vis actuellement à Miami, dans une villa, à en faire pâlir mes camarades d'école. Pourtant, au début, c'était mal barré pour moi. J'étais un vrai cancre à l'école. J'ai souvent redoublé, d'ailleurs. La conseillère scolaire n'a cessé de me répéter que si je continuais comme ça, je n'allais pas réussir dans la vie.
que pour réussir, il fallait être un bon élève et faire de longues études. J'ai donc fini par quitter l'établissement scolaire à l'âge de 15 ans. Mes parents et mon entourage étaient désespérés et très dégoûtés. Ils croyaient que mon avenir était ruiné. J'ai toujours eu un faible pour le business. Je passais mon temps libre à regarder des vidéos d'hommes d'affaires mondialement connus sur les secrets de la réussite et les clés du succès. Chaque été, pendant les vacances scolaires, et ce dès l'âge de 12 ans, je me débrouillais pour lancer une petite affaire. Promener les chiens des voisins, vendre de la limonade devant la maison, ainsi de suite. Ces petits business, mine de rien, m'en ont beaucoup appris sur le monde impitoyable et ô combien palpitant des affaires. Je dois vous avouer également que sans mon oncle Gilles, je n'y serais pas arrivée et je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Oncle Gilles a toujours cru en moi, en mes capacités et m'a toujours encouragée à écouter la petite voix qui est au fond de moi. Durant de longues années, il m'a enseigné toutes ses connaissances et c'est lui qui m'a poussée à me lancer à un âge où beaucoup de jeunes ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire de leur vie. Aujourd'hui, je suis fière de vous dire que j'ai non seulement réussi ma vie, mais que même si j'arrête de travailler à cet instant précis, je pourrai mener un train de vie que ceux qui ont fait de belles et longues études ne pourraient probablement jamais atteindre. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah et j'ai 25 ans. Je suis professeure de français dans une école primaire et j'adore mon travail. Je suis née en Allemagne, mais je vis en Californie, aux États-Unis. C'est un pays incroyable, avec de nombreux endroits sympas où aller. Nous avons déménagé ici quand j'avais 8 ans. Je vis avec ma famille dans une grande maison. Je suis fille unique, je n'ai ni frère ni sœur, mais j'ai deux parents qui m'aiment beaucoup. Mon activité préférée pendant mon temps libre est lire des livres et regarder des comédies familiales avec des fins heureuses. Je suis une dingue de sport. J'adore la natation. Je nage presque chaque jour. J'ai un chien avec qui j'adore jouer. Ma cuisine préférée est la cuisine japonaise. J'ai généralement un mode de vie sain. Je mange beaucoup de fruits et de légumes. Un de mes rêves est de pouvoir parcourir le monde un jour. Je suis sûre que ce sera fabuleux. Bonsoir, je m'appelle Adam, j'ai 30 ans et je suis avocat. J'ai suivi des études de droit dans l'une des plus prestigieuses universités aux États-Unis, Harvard. Ensuite, j'ai intégré l'un des plus grands cabinets d'avocats de New York, où je vis. J'adore mon métier. À chaque fois que je gagne un procès, j'ai l'impression d'être un héros qui contribue à rendre le monde meilleur. Je suis encore célibataire. Je vis seule dans un appartement au 50e étage d'un gratte-ciel comme ceux que l'on voit dans les films américains. Je suis passionnée de sport. Heureusement que j'ai une salle de sport à ma disposition dans l'immeuble où je réside. Sinon, je ne pourrais pas m'entraîner souvent avec les horaires de mon travail. J'aime également les animaux de compagnie. J'ai un chat siamois, je l'ai appelé Cookie, et un chien labrador que j'ai nommé Pee-wee. Bizarrement, ils s'entendent bien tous les deux. J'essaie des fois de faire la cuisine, mais généralement, je commande à manger, c'est plus pratique. Le samedi soir, je sors généralement avec mes deux meilleurs amis, Samy et Danny, tous deux avocats et célibataires également. On dîne au restaurant où on va voir le dernier film au cinéma. Je rêve de devenir associée dans le cabinet où je travaille et je ferai de mon mieux pour y arriver. Bonjour à tous,
Je m'appelle Anna, j'ai 40 ans et je suis médecin généraliste. Je suis née à Naples, en Italie, et j'ai fait mes études de médecine à Paris, en France. Il m'a fallu beaucoup de courage pour vivre seule dans un pays que je ne connais pas, entourée de personnes qui ne parlent pas ma langue et ont une culture différente de la mienne, mais je suis fière d'y être arrivée. Par la suite, je suis retournée à ma ville natale pour y vivre et y exercer mon métier. Je suis mariée depuis 3 ans avec Giuseppe, qui est napolitain également. Nous avons une petite fille de 2 ans qui s'appelle Nina. C'est mon petit rayon de soleil. Je la vois grandir chaque jour et ça me remplit de joie. Nous habitons une villa au bord de la mer et la vue est vraiment magnifique. Je suis consciente de la chance que j'ai. Mon cabinet est au centre-ville. Je m'y rends chaque jour, sauf le dimanche. J'ai choisi le métier de médecin parce que j'ai toujours aimé prendre soin des autres. Je pense que le côté humain est très important dans notre métier. Une personne malade a besoin d'un soutien moral d'abord, de compréhension et ensuite de prendre un remède s'il en a besoin. Je fais de mon mieux aussi pour continuer à me former et être au courant des dernières recherches et innovations. Bonjour à tous, je m'appelle Maya, j'ai 22 ans et je suis actrice. Depuis toute petite déjà, j'aimais imiter les voisins, les membres de ma famille, les personnalités célèbres. Je n'ai pas pu intégrer une école d'art dramatique parce que mes parents voulaient que je suive des études sérieuses, mais je ne me suis pas laissée décourager. J'ai commencé ma carrière sur TikTok. Oui, j'ai créé un profil et j'ai commencé à poster des vidéos. Je jouais la scène d'un film, d'une série. J'ai également joué des personnages tout droit sortis de mon imagination. Au début, personne ne s'intéressait à mes vidéos, mais je n'ai pas perdu espoir. J'ai continué à filmer avec mon téléphone et à poster. Pendant le confinement, les gens ont commencé à s'intéresser à cette application qui était réservée aux adolescents. Des gens du monde entier ont découvert cet univers magique et c'est comme ça que beaucoup de personnes ont découvert mon profil ainsi que mes vidéos. Je me souviens encore du jour où je me suis réveillée et j'avais gagné 1 million d'abonnés en une nuit. Au début, je n'arrivais pas à y croire. Ensuite, petit à petit, j'ai réalisé que c'était vrai. J'ai reçu des demandes de partenariat, de sponsoring, et quelle ne fut ma surprise quand un réalisateur m'a demandé de jouer un petit rôle dans l'une de ses séries. J'ai lu le scénario et accepté presque de suite. Et c'est comme cela que je suis devenue actrice grâce à TikTok.